Yep à tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai fait mon Yep épisode du jour consacré à pourquoi mon enfant pleure. Alors c'est difficile d'identifier pourquoi un enfant va pleurer. Après, on connaît tous les raisons pour lesquelles il peut pleurer, la faim, la soif, le sommeil, la nervosité, parfois une influence du milieu extérieur ou du milieu intérieur. Extérieur, est-ce qu'il a fait dans la journée, pendant que vous étiez au travail ou autre et surtout, quand ils sont nourrissons, je pense à ça surtout, quand maman récupère son bébé de la sortie de la maternité immédiatement, eh bien, elle ne va pas connaître son petit bout. Donc il va lui falloir du temps pour, à elle et son mari d'ailleurs, hein, du temps pour apprendre à connaître l'enfant, le découvrir, et connaître et déterminer ses comportements qu'on va dire normaux et ses comportements qui sont anormaux. Donc pour ça, il y a un outil qui est formidable, c'est le thermomètre. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, à l'utiliser parce que c'est un super indicateur de risque et de problème. Donc voilà, quand vous savez pas, utilisez le thermomètre. Voilà. Et si le thermomètre bouge, eh bien, voilà, le petit bain ou voilà, contactez immédiatement le SAMU et posez-leur des questions. Il y a des médecins qui sont disponibles maintenant, c'est quasi robotisé et informatisé, mais on n'est jamais contre un conseil de professionnel. Donc il y a des numéros disponibles, je vous invite à les rechercher. Et renseignez-vous tout simplement. Et le thermomètre, c'est un super facteur d'alerte. Donc voilà. Et sinon, votre petit bout, tout simplement, il se peut qu'il pleure parce qu'il a besoin de sa maman. Maintenant, les enfants ont de plus en plus besoin de leurs parents. C'est comme ça. Voilà, nos générations ne se ressemblent pas. On vit des cycles. Et nos enfants, ils ont de plus en plus besoin de nous. Ils ont besoin d'être rassurés. Pourquoi? Aussi parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas forcément simple tous les jours et ils ont besoin d'être rassurés et protégés du monde dans lequel ils vivent. Et pour les rassurer, il faut leur parler. Voilà, leur parler, c'est communiquer et puis c'est établir cette relation de confiance qui doit devenir en fait naturelle, cognitive et intérieure. Voilà, elle doit être liée à votre centre, on va dire, émotionnel. Et si votre enfant se sent aimé, il n'y a pas de raison, voilà, s'il pleure, je ne vais pas vous dire de le laisser pleurer, mais voilà, réfléchissez aussi, ne soyez pas complètement, totalement disponible pour votre enfant, c'est pas lui rendre service pour plus tard. Il aura besoin de prendre des décisions par lui-même et il vivra certainement dans un monde qui sera différent du vôtre, donc c'est difficile pour vous voilà, d'être trop à l'accaparer. Il a besoin de se construire. Voilà. Donc je vous souhaite d'être de bons parents et de comprendre d'où viennent les pleurs de vos enfants, et si vous n'arrivez pas à les comprendre, c'est qu'il faut aller voir un professionnel. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon épanouissement, une bonne éducation de vos enfants, et éclatez-vous avec vos petits bouts, et régalez-vous si voilà, ils sont tout neufs et encore tout chauds, et sortent juste du paquet. Donc voilà. Avoir un enfant, c'est le plus beau cadeau de la vie, au fond. Donc, vous ne serez pas des parents parfaits, mais rassurez-vous, au fond, votre enfant, il a besoin que de vous. Que de vous et de vous voir sourire et de vous voir vous épanouir avec votre compagnon. Voilà. Plus forte sera votre relation et meilleure sera l'énergie que vous communiquerez pour l'éducation de vos enfants. Et ça lui donnera envie de s'épanouir et d'être heureux. Et ça lui donnera envie d'afficher le sourire. Ce qui fera en sorte que les autres enfants vont venir vers lui et il s'épanouira socialement. Alors ça paraît simple comme ça, mais oui, il faut le penser. Si vous le pensez, voilà. Vous êtes ce que vous pensez. Voilà. Mangez, bougez. 5 fruits et légumes. Allez, je vous dis à un prochain Yépa épisode et ne lâchez rien sur l'éducation. Allez, à bientôt.